journée d'entraînement. Normalement, je vais, voilà, parce que demain, dimanche, c'est la dernière compétition qu'on va organiser. Ensuite, on va passer dans une semaine. En groupe, quoi, s'il vous plaît. Yazid, fais des pompes de filles. Il y en a qui sont un peu plus rapides que d'autres, là, je vois. 88, 100, 39. Le seul qui pompe correctement, c'est Wally, hein, là, je veux dire. Merci, merci. Kader aussi. Non, Kader, t'as fait jeter un peu trop haute, là. T'as plus quoi, Kader? C'est vrai que les crosses, on n'a pas très bien réussi. Mais après qu'on s'est concentré dans la longue distance, dans la route, ça allait mieux. Puis je me suis qualifié pour le championnat de France. Mais il y a une semaine de ça que j'ai fait, mais j'ai pas très bien réussi. Mais j'espère que la prochaine fois, je réussirai. Ouais, franchement, je trouve que ce club, c'est bien, quoi. Enfin, c'est bien d'y avoir pensé parce que ça nous a apporté plein de choses. Comme l'école, ça nous aide dans le sport, on a plus de facilité, ça nous donne des meilleures notes. Dans les courses aussi, c'est plus facile que au début de l'année. Enfin, dans les crosses, on n'arrive pas bien à courir, ça, on commence à dur. Donc, après, s'entraîner, on s'entraîne dur, on sait, on y arrive, quoi. On commence à s'améliorer,
D'accord, je suis pas sûr d'être un excellent orateur, mais tout ce que je peux dire déjà, c'est qu'Abdelkader a fait un bon choix et qu'on pourrait faire une poésie pour dire que le choix du sport et du social n'était pas évident. Dans tous les cas, il a pu aliéner les deux, et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'a pas eu peur, et c'était génial. Pour ma part, je tiens à te féliciter, parce que tu as su faire quelque chose de très bien à Belleville, quelque chose qui n'existait pas. Mais l'athlétisme, sport et social, je pense qu'il y a un bon résultat à travers ta cassette et à travers toute la saison, que de félicité. À côté de ça, pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Après le travail, un moyen de me détendre, un moyen d'échanger, de communiquer, d'être avec des plus jeunes, des plus anciens. Ça permet de s'ouvrir aussi. Et j'espère qu'une chose, c'est que ça va continuer, que tu seras soutenu, qu'on te soutiendra et que beaucoup d'autres personnes, d'enfants pourront participer à. Merci. Je pense que ça lui a apporté beaucoup, mais qu'il a aussi beaucoup perdu. Là, regardez, il a quelques kilos en moins, c'est pas mal, donc pourvu que l'aventure continue, Charles. Vite fait, à ta renard, pourquoi est-ce que ça t'a apporté tout ce que tu peux en dire. J'ai jamais adhéré à un club depuis l'existence des clubs, mais là, étant donné que c'est un ami d'enfance qui l'a mis en place, très plaisir d'en faire partie. J'ai énormément progressé. Grâce à son maître, c'est pas grave, mais c'est un peu c'est normal, il y a un peu des communes dans ta main. Arrête, c'est naturel. Mais qu'est-ce qu'il y a et tout, le fait que t'as perdu des kilos et tu cours plus vite Comme je cours avec toi bien avant, c'était super bien. Ouais, quand t'étais jeune, ouais. J'avais arrêté pendant un petit moment, donc j'ai perdu un peu de condition physique et tout ça, ouais. Puis là j'ai bien repris, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, on a fait un tour du lac, il fait une bonne performance. C'était sympa, tu contactes avec les enfants avec vous. Ouais, c'est excellent, donc un bon groupe, homogène. Il y a toutes les générations, ça va du jeune de 12 ans jusqu'à un jeune de 12 ans. Tu penses que le club mérite de continuer? Tu penses qu'il a de la bonne? Oui, ben, j'espère que ça va continuer comme ça pour l'année prochaine. Il y aura des suites, quoi. Ok. On aura un champion, notamment Bella. Ok, ben, merci beaucoup. Allez, ciao les gars. Ciao. Ça vous a plu? Parce que pour clôturer, j'ai questionné un peu tous ceux qui sont venus au cours de l'année s'entraîner avec nous. Vraiment, fait plaisir, c'est que les gens sont restés très fidèles à ce club, alors qu'on n'avait aucun moyen, on n'avait aucun stade, aucun vestiaire et tout. Et je vous remercie. Merci à tous ces athlètes qui sont venus. Ça leur a tous apporté quelque chose. Surtout le mélange entre les enfants et les adultes, qui a permis aux jeunes d'avoir un meilleur dialogue et une meilleure approche avec les grands. Puis pareil pour les grands, de se sentir très proche aussi des jeunes. Et ce que j'espère, c'est que ça va continuer. Au début, j'avais envie d'arrêter ce club. Et puis, finalement, l'amour des enfants et l'amour de ce sport m'a donné raison. Je vais continuer donc, en septembre. Cette belle aventure. En espérant qu'on aura le soutien de la municipalité de Belleville. Et qu'ils vont en croire en moi et qu'ils vont s'en croire en tous ces jeunes qui ont beaucoup d'espoir et qui ont aimé ce sport qui est un sport très difficile. Voilà. Ok, merci bien. Kader, donc on tient tous à dire merci Kader. Vas-y, je filme. Vive Atabonne-Nord. Vive Atabonne-Nord. Futur champion ici, futur champion. Petit club. Et petit club bien dragon. Et puis à l'entrée, bientôt, on se donne rendez-vous pour septembre pour la nouvelle saison. Et on donne...